Dieu se lève sur notre studio cet après-midi, balle au centre et le match peut donc commencer. Bonsoir chez vous, installez-vous confortablement. Mon latéral gauche est fidèle au poste, Euphrasie qui est très en forme cet après-midi pour une heure de partage et de bonne humeur. Bonsoir très chère. Bonsoir Vanessa, bonsoir à nos spectateurs et spectatrices. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end et qu'on est venu mettre un peu plus de peps dans votre week-end. J'espère que tu te portes bien, toi. Super bien, à ce que je vois. Je me porte très bien également et j'espère aussi que vous tous qui êtes connectés, vous allez super bien. Vous savez déjà quel invité nous avons pour ce jour. Le thème du jour, vous ne le connaissez pas encore, mais vous allez tout de suite voir la tête de notre invité et découvrir également le thème du jour, mais dans quelques secondes. De joueur de champ à gardien de but entre Essor de Lomé, étoile filante, avant de rejoindre l'équipe nationale togolaise, il a aussi été basketteur et a évolué dans le club modèle. Ce fut Antonio Dumas, sélectionneur des Éperviers à l'époque, paix à son âme, qui a su détecter le talent que cachait cette grande silhouette d'environ 2 mètres. Sa carrière prenait un élan décisif quand la ville a pris à contre-pied. Mais il a su revenir au score et moi je dirais même qu'il a défié tous les pronostics et qu'il a finalement remporté le match. Dodi Kodjovi Obilale est notre invité du jour. Bonjour champion et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de m'avoir invité. Comment tu vas? Très bien. Très très bien. Voilà. D'accord. Frasi, tu avais quelque chose à lui demander de suite ou parce non, que je t'ai entendu. Je parie qu'on va avoir une superbe émission. En tout cas, nous, on a déjà très bien rigolé derrière les caméras. Alors, tu vas nous servir tout de suite, en tout cas à nous et à nos web spectateurs et spectatrices, une brève biographie de toi. Mais ce sera en répondant à de petites questions que je vais te poser. D'accord. C'est bon, on peut y aller? C'est bon. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu te définirais comme auteur? Est-ce qu'on peut s'attendre à un autre roman de toi? Non. Aujourd'hui, je ne sais pas. Peut-être avec le temps. Parce que j'espère avoir une longue vie encore. Donc, je ne peux pas définir aujourd'hui une autre autobiographie pour le moment. D'accord. Alors, Christian Gourcuff, dans la préface de ton roman, a écrit, et je cite, « À force de patience et de volonté, Kodjovi s'est aujourd'hui reconstruit une vie. » Fin de citation. D'où as-tu tiré justement cette force et cette patience-là dont on est en train de parler? Ça a été toujours comme ça parce que quand j'étais petit, je ne vais pas vilipender quand même ma famille ou les proches, mais on m'a toujours traité d'incapable en fait. C'est-à-dire que toi tu fais rien, tu manges trop, tu fais que des bêtises, de toute façon, tu ne sers à rien. Comme on fait avec tous les enfants africains, quoi. On ne nous câline pas, on ne nous cajole pas. Tout le temps, c'est des insultes, tu vois. À un moment donné, si tu n'es pas fort, tu vas rester dans ta bêtise. Ouais. Après, si tu es fort, tu te défies toi-même. Moi, ça a été toujours mon projet personnel. C'est-à-dire que je n'aime pas me mettre à genoux à chaque fois qu'on me critique ou on me fait des reproches. C'est une façon pour toi de... Ça te booste, on va dire. Ouais. À chaque fois qu'on te fait une critique négative, c'est un défi pour toi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, moi, tous les gens qui m'ont heurté dans mon enfance ou... même aujourd'hui, je ne les en veux pas parce que c'est grâce à ces personnes que je suis ce que je suis aujourd'hui. Donc, c'est une force aussi que je tire à travers leurs critiques. Que ce soit une bonne critique ou une mauvaise, moi, ça m'aide dans ma reconstruction. Donc, de tous les événements, qu'ils soient bons ou mauvais, tu tires donc finalement une force. En fait, ouais, le bon côté des choses. Ouais, toujours. D'accord. Vanessa, si tu permets, j'aimerais un peu revenir sur le roman. Bon, on est encore sur le roman. Pourquoi avoir écrit ce roman?
Premièrement, parce que je me faisais chier à l'hôpital, je faisais rien. Et si tu as à manger, on vient, on te donne à manger, on te pique, on te fait des soins. Donc, j'aimerais pas détailler les choses. Et après, bon, à un moment donné, j'avais parlé avec un monsieur, c'était en Afrique du Sud, qui s'appelle Isaac. Je lui fais un big up. Et il m'a dit, bah, écoute, si tu pouvais un petit peu écrire tout ce que tu as au fond de toi, ça peut t'aider. Du coup, j'ai commencé comme ça. Comme une thérapie, on va Ouais, dire, à non? faire un récit de ma vie et tout ça. Après, j'ai arrêté parce qu'il y avait eu des interventions à répétition. Et du coup, après, quand j'étais rentré en France, j'ai commencé à écrire sur mon ordi. Moi, je faisais un récit, quoi. Et Du coup, après. tu n'as pas pris goût pour poursuivre. Maintenant que tu es un homme d'affaires, est-ce que tu n'as pas envie d'écrire pour partager tes expériences avec la jeune génération? Ouais, peut-être ça va venir, mais pour le moment je suis encore jeune, donc j'attends. Tu n'as encore rien décidé. Oui, voilà, donc D'accord. je vais pas me préciser. Alors, toujours dans ton roman, je n'avais pas d'horizon. Ce sont tes mots, les mots que tu as utilisés dans ton roman, dont le titre est Un destin foudroyé. Quels sont aujourd'hui les horizons de Dodi? Bah, mes enfants, la famille, et puis parce que j'ai la chance aussi parce que il y a beaucoup de personnes qui ont subi ce traumatisme, même les gens qui sont pas blessés, hein, mais j'ai la chance d'être là, donc voilà. Moi, c'est ça qui me booste aujourd'hui. Les horizons, c'est quoi? C'est des projets. Moi, je suis quelqu'un de très ambitieux, donc tant que j'atteins pas mes objectifs, je vais pas m'arrêter. Moi, je me dis toujours, je vais me reposer quand je serai plus sur cette terre, c'est tout. Tu n'abandonnes jamais. Ouais. Alors, Dodi et la nourriture, à ce jour, est-ce que c'est toujours le même rapport ou ça a changé entre-temps? Non, moi je mange toujours bien, depuis Bien fort ou longtemps. énormément? Non, bien, bien, bien. Bon, selon ma morphologie, je mange à ma faim. Maintenant, j'aime bien manger parce que je pense que c'est notre premier médicament. Quand tu manges pas bien, ça se voit sur ton visage. T'es tacheté, t'as le visage gonflé, t'es pas bien, t'es gonflon, t'es pas. Tu vas au Pas en boulot, bonne, de bonne ouais, tu humeur. engueules tout le monde, mais tu manges bien, bah t'es à l'aise. Alors, on va boucler cette partie biographie avec une question un peu plus sérieuse. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent aujourd'hui ce que tu fais comme activité. Quelles sont Qu'est-ce que tu tes deviens? activités, voilà, donc professionnelles aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis dans l'auto-entrepreneuriat. Je travaille sur un terrain de 10 hectares. Je fais de l'élevage, maraîchère, et puis je suis dans l'immobilier aussi. D'accord. Une question, Fradi? Non, comme on dit souvent, la terre ne trahit jamais. Donc, il s'est Exactement. retourné vers la terre pour se faire son jet, comme dirait Exactement. quelqu'un. Et je parlais de thème du jour aussi, Euphrasie. Donc, nous allons découvrir le thème du jour. Et le thème retenu pour ce numéro, c'est une chose que nous avons du mal à faire généralement, même dans les situations où on est bien convaincu que ce serait salutaire pour nous. La peur de l'inconnu nous empêche généralement de sortir de notre zone de confort. Vous l'aurez compris, le thème aujourd'hui, c'est sortir de sa zone de confort. Alors, Dodji, à un moment de ta vie, tu as dû sortir de ta zone de confort. Tu as été dribblé par la vie, si je peux le dire ainsi, et tu n'as pas lésiné sur les tacles pour donc récupérer la balle et en faire exactement ce que toi tu voulais. Qu'est-ce que le thème donc de ce jour te dit? Ouais, moi aujourd'hui, le thème de quitter sa zone de confort, ça me parle beaucoup parce que moi je me suis préparé à ça le jour où j'ai eu mon accident parce que moi j'ai pas peur de l'anonymat. J'ai pas peur de je sais pas comment dire ça, mais j'ai pas peur de retourner ou de regarder dans le rétroviseur parce que la vie tout peut se passer. Donc aujourd'hui, que je mange bien ou pas, je suis habitué aux deux.
Donc, tu peux faire avec n'importe n'importe quelle quelle ça. situation. Voilà. Donc, ça, c'est mon éducation aussi avec la maman. Donc, à chaque fois quand elle te dit, voilà ce que j'ai, voilà ce que Tu je te donne, t'adaptes. voilà, tu manges ce que je te donne. Donc, aujourd'hui, si ça va, je suis en voiture, Dieu merci. Demain, je suis en tricycle, c'est comme ça. Donc, je fais avec. Du moment où je... En fait, le bien-être, c'est pas avoir des trucs autour de nous, quoi. C'est pas des... C'est pas comment dire... C'est pas que le matériel. Voilà, que le matériel, mais être en paix avec soi-même. Et moi, j'ai cette paix, donc ça va, je suis dans ma zone. Alors, vous qui êtes connecté, je l'ai dit dans le numéro précédent, vous pouvez également interagir avec nous. Vous pouvez donner votre avis sur la question, sur le thème. Vous pouvez poser bien évidemment des questions à notre invité. Et donc, nous ferons le plaisir de lire vos questions, vos commentaires, vos avis et tout ça. Sortir de sa zone de confort, Euphrasie, tu as quelque chose à nous dire? Ben oui, il faut savoir que quand on parle de la zone de confort et qu'il faut en sortir, c'est qu'il faut accepter déjà ou intégrer le fait qu'on va embrasser le stress et l'anxiété. C'est accepter d'être vulnérable. Parce que dans ta zone de confort, tu as le contrôle de tout, tu maîtrises, comme on dit. Et à un moment donné, quand on a des objectifs bien précis, et que dans ta zone de confort, tu ne peux pas les atteindre si tu ne prends pas des risques, il va falloir se surpasser et oser faire confiance à autrui qui puisse te guider ou te mener vers l'atteinte de ton objectif. J'aimerais savoir à quel moment de ta vie tu as eu à sortir de ta J'ai zone dû de confort. sortir de ma zone de confort. Moment exact, enfin, Ça peut être sur n'importe quel plan. il y a beaucoup d'exemples en vrai, mais tu me connais, tu sais que je suis une personne qui stresse beaucoup et assez rapidement. Donc, sur certaines choses, j'ai très vite cette peur de l'inconnu dont moi-même j'ai parlé tout à l'heure. J'ai cette peur de l'inconnu et je me demande si j'essaye ça, qu'est-ce que ça va donner? Donc, du coup, j'ai pas forcément cette force. J'ai dit forcément et force à la suite, mais bon, après, j'ai pas toujours cette force-là de laisser la peur de côté et de m'engager généralement. Mais dans beaucoup de cas aussi, je dois reconnaître que sans l'aide de personne, j'ai réussi moi-même à me dire non, mais attends. Essaye, et de toute façon, si tu gagnes pas, tu n'auras tout de même pas perdu parce que tu auras gagné de l'expérience, quoi. Donc voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois de ne pas pouvoir sortir de ma zone de confort, mais ça m'est aussi arrivé plusieurs fois d'arriver à en sortir. Oui, ce que tu viens de dire, c'est typique des personnes qui n'aiment pas perdre le contrôle. Oui, c'est vrai que Tous des j'aime tout personnes qui aiment contrôler. tout Je veux que tout se contrôler à la passe, lettre. mais vraiment comme j'ai planifié. Quand je planifie quelque chose, j'ai envie que, mais vraiment, ça se passe comme ça. Quand je dis que ça doit se passer à 10 heures, ça doit se passer à 10 h 00. Exigeante. Et exactement. Mais je crois que ça a un très mauvais côté. Ça a un très mauvais côté parce que Tu ne peux pas tout on peut pas contrôler toujours tout et contrôler dans la vie. tout ne dépend pas de toi du moment où tu n'es pas la seule à être en interaction. Donc, l'autre peut avoir des empêchements qui ne vont pas permettre à ce qu'il respecte, par exemple, un rendez-vous avec toi. Et puis, j'aimerais ajouter aussi que la peur, comment dire, sortir de sa zone de confort, ce n'est pas toujours une mauvaise chose, en fait. Oui. Ce n'est pas toujours une mauvaise chose. C'est vrai que ça bouscule un Généralement, peu. même ça a du bon. Oui, ça Ça a a du du bon, bon. ça bouscule, mais bon, la finalité, elle est bonne. Oui, et ce que je voudrais beaucoup plus préciser, c'est que la zone de confort en elle-même, ce n'est pas quelque part qu'il faut vraiment fuir. Quand on aborde ce terme, on dit sortir de sa zone de confort, ce n'est pas qu'on incite tout le monde à sortir de la zone de confort, mais c'est pour dire que même dans la zone de confort, en étant ou en restant dans sa zone de confort, on devient
expert, par exemple, dans son domaine. On a une certaine maîtrise quand on veut atteindre un objectif bien défini. Et il y a quelqu'un qui a mis un commentaire. Dans les commentaires. Zarif, tu... sérieusement, en fait, c'est un ami qui me dit, tu stresses beaucoup, oui, et tu pleures beaucoup aussi. Est-ce que c'est bien? On peut faire ça. Je ne voulais pas dire ça, mais comme quelqu'un s'en est chargé. On peut dire ça aux gens. J'ai envie de casser les papos du stress de Vanessa, mais bon, je garde d'abord. Je pleure plus. Tu pleures vite, toi? Oui. Sérieusement? Ah bon? À chaudes larmes? J'y crois pas. Avec les vraies larmes, là? Oui. Moi, je pleure beaucoup. Je suis très sensible, mais ça ne te voit pas. Oh. Je l'enveloppe avec ce petit masque où je rigole beaucoup, tout ça. Mais tu pleures, tu peux pleurer en public, genre, ou c'est ouais, quand tu te retrouves seul que tu ressasses? Non, pas pleurer sur mon sort, mais je suis un petit peu émotif. Okay. C'est-à-dire que je peux regarder un film et pleurer, hein. Ça m'arrive, hein, ouais. Ça, moi, j'ai pas honte de le dire. C'est-à-dire que même ça, voir. C'est tout moi. Même voir les images qui peuvent heurter, ça m'arrive, mais pas pleurer, crier comme un blédard. Tu peux demander des pleurs là tout à l'heure? Non, je peux pas, puisque je suis pas un comédien, donc du coup, ça va être un peu compliqué. Mais il y a des choses qui me touchent. Okay. Moi, je pense que c'est des gens vrais, ça. Oui. En fait, moi, il peut m'arriver tout de suite sur mon téléphone. Je lis l'histoire d'une personne qui est triste. Donc, toi, par contre, on peut commander la fleur chez toi. Non, non. Bah, si, non. Si je t'envoie, je te dis quelque chose qui t'attriste et puis bon, les larmes sont pas loin. Non, mais après, quand je suis seule avec mon téléphone aussi, c'est différent. Ouais. Voilà, je vais pas me mettre à pleurer, quoi. On est souvent à fleur de peau comme ça et puis ça arrive le plus rapidement possible. Ouais, c'est pas une mauvaise chose en soi, en fait. Ouais. Non, ça fait du bien. Ça fait du bien. Moi, ça m'arrive d'aller pleurer à la plage. Des fois, quand je suis à l'étranger, hein, je réfléchis, je ne trouve pas de solution. Ça m'arrive d'aller à la plage. Je ne commande pas les pleurs, mais je ressasse. Je dis, mais je fais comment je fais ici. Et des fois, c'est les nerfs sont tendus. Après, voilà. Ça coule, mais c'est pas des pleurs. Ou... me dire allez arrête de pleurer, non, ça sort et puis ça va mieux, ça libère, ça fait du bien, hein, mais c'est pas comme si tu vas crier non plus. Oui, parce que il y a un truc aussi, on nous a toujours dit t'es africain, t'es fort. C'est faux. T'es africain et humain d'abord. Ouais, t'es fort, parce qu'on dit vous connaissez pas les psys tout ça, mais c'est faux, parce que moi quand il m'est arrivé ce l'accident là, je disais je suis fort, mais à un moment donné, si tu fais pas attention, moi j'ai failli me faire interner. Tu as craqué? Ouais, mais j'étais pas agressif, mais je peux te regarder pendant 5 minutes, je vais rien te dire, tu me parles, je te regarde. Oh. Et c'est-à-dire... Est-ce que tu, parlant de psychologue, est-ce que tu t'es fait suivre par un... Oui, j'ai eu 5. Si, je les ai tous renvoyés parce que bon, après j'aime pas les attitudes des psy, tu vois, quand tu parles à un psy, elle te regarde et tu fais mais madame, on va parler ou tu vas me dire tout le temps attends, et c'est ça qui t'exaspère en fait. Oui, et ils sont là à te fixer, je dis mais qu'est-ce que j'ai ça, vas-y parle, vas-y. Mais oui, c'est pour analyser. Viens, on échange, on dialogue, pas pour me dire. Donc, on dit, ben, monsieur Bilal, pas besoin. Je dis, ouais, c'est mieux, je vais faire ma thérapie tout seul. Et du coup, j'ai fait ça tout seul, mais il y a des séquelles quand même. Ah, ça laisse toujours des séquelles. Ouais. Les gens sont propres sur eux, mais ils sont malades dans l'intérieur. Hein. Est-ce que tu trouves quand même utile d'aller voir un psy quand on n'est pas bien? Moi, je préfère parler avec un inconnu qu'avec un psy. Pourquoi? C'est-à-dire que je trouve que ce n'est pas des gens qui sont sincères. C'est-à-dire que c'est son métier. Hein? Elle est là, elle va m'écouter. Elle va me dire, oui, tu sais, avec leur technique, moi, je n'ai pas été à l'école de psy. Mais si je parle avec quelqu'un que je ne connais pas, ben peut-être la personne connaît mon histoire, on va parler tout ça. Elle me dit oui, fais ci, fais ça.
Et puis moi, je vais lui parler. Je dis, tu sais, tu es une force pour moi aussi. Hein. Tout ça, vous allez vous entraider. Ça aide. Qu'un psy, elle est là, elle va prendre, je sais pas, elle va prendre mes mots comme ça. Elle va dire, ok, d'accord. Bon, docteur, ce monsieur souffre du syndrome de l'abandon. Leur technique. Donc, moi, je n'étais pas abandonné, j'avais ma famille. Donc, en fait, tu te dis qu'un psy, il écoute parce que c'est son travail d'écouter. Voilà. Mais peut-être un inconnu avec qui tu parles, c'est tout simplement, c'est tout simplement par amour pour l'humain qu'il a en face de lui, qu'il est en train d'écouter. Voilà. C'est vrai que ça a du sens quand même. Ouais. Et puis, je ne veux pas être avec quelqu'un, un ami, une connaissance, peu importe. Et puis la personne va se plaindre devant moi. Ça, ça m'énerve. C'est-à-dire que des gens qui... Comment ça va? Ouais, tu sais, ça va pas. Tu sais, la vie aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi moi, je n'ai pas de chance. Mon frère, nous tous, on souffre, mais on ne parle pas. Okay. Oui, mais après, quand ça ne va pas, il y a des gens qui doivent en parler pour pouvoir aller mieux. Il y a des gens qui parlent mais pas. Mais il y a des gens, ils font ça tout le temps. Je suis sûr que vous avez des amis comme ça. Oui, il y a des gens. Non, mais il y a des gens, c'est... Vous savez de quoi je parle. C'est une autre catégorie de personnes. Vrai, des gens qui se plaignent, mais tout le temps. C'est saoulant. Hein. C'est saoulant. Toi, t'es mieux chez toi. Hein. Toi, tu te plains pas. Mon frère, moi, je... Parce que moi, je prends des cachets tous les jours, je pleure pas. J'ai mal tous les jours, je pleure pas. J'ai le sourire. Tous les jours, j'ai mal. Et c'est normal, je comprends, je sais pourquoi j'ai mal. Mais je parle des douleurs neuro. Toi, tu es là parce que voilà, le grenier a un peu diminué, tu pleures. Mais tu vas travailler, puis ça va aller mieux. Moi, j'ai envie d'échanger ça avec toi. Tu veux ma douleur? Donne-moi le grenier qui est à moitié vide. Et tu verras ce que ça fait. Hein? Ah oui. Ouais. Donc, on a tous nos souffrances, quoi. Elles sont différentes, mais bon, quand même, faut pas abuser. Euphrasie, et quand on parle de sortir de sa zone de confort, ça nous fait penser à une chère dame. Oui, ça nous fait penser à une chère dame et souvent, pour sortir de la zone de confort, ça part d'un déclic déjà. Ça part d'un déclic et c'est ce moment où on ose aller vers l'inconnu, comme on l'a dit tout à l'heure, et se challenger, voir si on est capable de faire ce à quoi on pense ou bien d'atteindre cet objectif ou bien de réaliser ce rêve-là. Et aujourd'hui, dans notre rubrique déclic, c'est une bureaucrate qui a choisi de démissionner, tout simplement. Un matin, elle en avait marre et elle a choisi de... Elle est partie se consacrer à sa passion pour les perles. C'est une accessoiriste. Et sans trop de commentaires, on va y aller pour le déclic du jour. Je suis Josiane Touré-Mitem, responsable de la marque Kessinonu Design. Je suis créatrice d'accessoires en perles et je suis contente de participer à cette émission. Alors, depuis toute petite, j'ai eu cet amour pour les perles. J'achetais déjà des paillas, ou soit ma maman m'a acheté les perles de taille communément appelées Alidjounou chez nous ici. Mais je n'aimais pas vraiment le mélange que les bonnes dames faisaient. Donc, je cherchais un fil et une aiguille et je refaisais le mélange à ma manière. Donc, de fil en aiguille, j'ai eu la chance d'aller continuer mes études au Ghana. Et c'est là que mon amour pour les perles, je crois, s'est amplifié. J'alliais mes études universitaires et la confection des perles. À ce moment-là, je m'essayais un peu à tout, à faire quelques bracelets, à faire quelques colliers que je revendais à mes camarades de classe. Donc,
Au fur et à mesure, j'ai eu à découvrir des marchés de perles, des marchés où il n'y a que de vente de perles. Et j'ai eu, de fil en aiguille, c'est parti comme ça. Mais à ce moment-là, je ne dirais pas que j'ai vraiment eu un déclic et que je savais que c'est ce que je ferais aujourd'hui. Alors, après mes études universitaires, je suis revenue à Lomé, où j'ai eu à faire quelques stages de ci et là. Mais je suis encore retournée au Ghana pour travailler en entreprise. Alors, j'ai fait 4 ans en entreprise, mais je n'étais pas vraiment à ma place. Il y avait quelque chose qui me manquait, bien que je faisais toujours les pertes. Je faisais les perles à côté, j'allais au boulot toute la journée, je revenais la soirée, je faisais les perles, j'envoyais, j'avais des clientes à Lomé, je leur envoyais ça aussi par des collègues qui rentraient chaque week-end sur Lomé. Mais il y avait quelque chose qui me manquait. Alors, au bout d'un temps, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus et puis j'ai démissionné, j'ai ramassé toutes mes affaires. Je suis rentrée sur Lomé. Je me suis dit, alors Josiane, tu n'as pas appris à faire les perles, mais tu le fais si bien, à confectionner les accessoires. Pourquoi ne pas développer ce don que Dieu t'a donné? Et voilà, donc je trouve que je le fais bien, mes clientes me le disent tout le temps que je le fais bien, alors voilà. Donc je dirais que c'est la persévérance et puis l'amour de la chose qui font que je suis là où je suis aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres projets en préparation qui vont arriver. Il n'y a pas que ça, donc on espère de meilleures choses pour l'avenir. Allez, merci. Déclic. C'était Josiane, notre accessoiriste, qui nous a raconté sa petite histoire de son déclic, comment elle en avait marre. On a tous suivi. Et comment elle est sortie de sa zone de confort. Exactement, exactement. Et vous aussi, chers web spectateurs, chers amis qui nous suivez, si vous êtes intéressés par cette rubrique, vous pouvez nous envoyer une petite vidéo d'une minute ou deux minutes pour nous raconter votre déclic. Nous serons ravis de diffuser ce déclic. Et ce déclic peut être un déclic pour quelqu'un aussi, pour un jeune frère qui veut avancer, qui n'ose pas entreprendre, par exemple. Exactement. Moi, je pense que c'est toujours bien de raconter son expérience, de raconter son histoire quand l'occasion se présente à nous, parce qu'on ne sait jamais, mais jamais, quand est-ce qu'on peut inspirer quelqu'un. Oui, pas à venir dire que j'ai commencé à 0 francs, quoi. Non, mais après, si j'ai commencé à 0 francs, qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Écoute, il faut dire les vraies réalités. N'est-ce pas, de dos? Parfois, c'est vraiment la réalité. Parfois, la personne a vraiment commencé à 0 francs, quoi. Ça, c'est un autre débat. Non, mais pour être plus sérieux, moi, je pense très sincèrement que parfois, sinon la plupart du temps, ce dont nous rêvons, ce que nous avons envie d'accomplir, se trouve tout simplement de l'autre côté de nos peurs et de nos doutes. Ouais. Exactement. Il suffit tout simplement d'oser. Oui, il faut ouvrir la porte et voir ce qui se passe. Dedans. Il faut avoir toujours peur. Et si la porte, elle ne veut pas s'ouvrir, il faut la casser. Il faut défoncer, oui. Il faut un peu parfois être guidé par la peur, parce que la peur te fait développer le courage. Celui qui n'a pas peur n'a pas de courage. Voilà, tout est dit. Vraiment, tout est dit. Alors, d'une rubrique à une autre dans cette émission, nous allons passer à la rubrique Fact Check-in maintenant avec Euphrasie. Alors, fact check-in du jour porte toujours sur la COVID-19, particulièrement la vaccination.
Et bien évidemment, cette pandémie, elle est toujours d'actualité. Donc, souffrez pas qu'on partir. En parle encore et encore jusqu'à ce qu'on dise un jour, j'espère, que c'est un mauvais souvenir, quoi. Voilà. Donc, dans la vidéo qu'on va suivre tout à l'heure, on parle de certains groupes sanguins qui ne seraient pas autorisés à se faire vacciner au risque d'en mourir. On est tous déjà vaccinés, là. Si c'est aujourd'hui que tu nous informes, mais Euphrasie, tu ne nous aimes pas, en fait. Mais justement... Tu ne nous aimes pas, c'est aujourd'hui que tu nous dis. Justement, il y a cette rumeur qui circule, peut-être toi, tu n'es pas au courant, mais il y a cette rumeur qui circule et certains sont toujours hésitants à se faire vacciner. Bon, on ne va pas faire le D'accord. débat déjà, sur la vaccination. Déjà, dis-nous si c'est vrai ou si c'est faux. Justement, Togo Tchèque s'en est occupé, on regarde et on revient. Voisine, tu as entendu ça? Il y a un odieux qui dit que les personnes du groupe sanguin O+, AB- et B- ne doivent pas se faire vacciner contre la COVID-19, sinon elles mourront. C'est quelle histoire ça? J'ai pris ma première dose de vaccin hier et je suis B-. Allons tout de suite nous renseigner au centre de santé. Monsieur l'infirmier, j'ai reçu un audio qui dit que les personnes du groupe O+, B- et AB- mourront si jamais elles se font vacciner contre la COVID-19. Dites-nous la vérité sur ces vaccins, s'il vous plaît. Calmez-vous, mesdames. Ces rumeurs sont fausses. Écoutez ce que disent les spécialistes de la santé. L'information n'est pas vérifiée. Aucune étude n'a fait cas d'une telle information. Interrogé par Togo Tchèque, Dr Priska Talbousouma, médecin-chef dans la commune du Golfe 4 et personne ressource COVID-19, affirme qu'il s'agit d'une intox. Il n'y a pas de contre-indication, quel que soit le groupe d'une personne à se faire vacciner contre la COVID-19. Depuis qu'on a commencé la vaccination dans le monde, il ne s'est pas agi de diriger une vaccination contre certaines personnes qui sont de groupes sanguins différents que d'autres. L'Organisation mondiale de la santé rappelle, dans une mise à jour sur son site internet le 18 octobre 2021, que les vaccins contre la COVID-19 sont sans danger pour la plupart des personnes âgées de 18 ans et plus, y compris celles qui ont des pathologies préexistantes de toute nature, notamment des affections auto-immunes. L'institution n'a fait aucune recommandation liée à la vaccination contre la COVID-19 et les personnes de groupes sanguins O+, AB- et B-. Pourquoi les gens envoient de tels messages pour nous effrayer au juste? J'ai vraiment cru que c'était vrai. Merci, monsieur l'infirmier. Et les groupes sanguins cités, personne ne mourra. D'accord. Voilà. Heureusement, hein, heureusement, parce que... Tu es de quel groupe sanguin déjà? Ou tu ne veux pas communiquer à la population? Non, mais justement, j'allais dire, heureusement que ce n'est pas vrai, parce que franchement, quand j'ai vu O+, je me suis dit, d'accord, à la fin de l'émission, il faut que j'écrive mon testament. Parce que... Ne me fais pas te poser cette question-là, mais vous... Pas de questions venant de toi. Des questions venant de Frasie, je ne répondrai non, pas. Non, tu passeras d'en face à Frasie de 16 jours. Non, mais merci à toi, Euphrasie, pour le fact-checking du jour. On va se retourner encore une fois vers notre invité du jour. Une personne que tu as côtoyée a une question pour toi. Et je ne te dirai pas qui c'est. On va découvrir tous ensemble dans la vidéo qui va venir. Mmh. J'attends. Il aime les surprises, il a dit donc. Voilà. Allons-y. Bonjour. Je me nomme Ouro Akoriko Sadat, ancien défenseur togolais. Ancien coéquipier de Bilalé Dodo à l'Étoile Filante, saison 2004-2005. J'ai une question à vous demander, monsieur Obilalé. Quel a été votre meilleur match dans votre carrière footballistique? Merci. Alors, en sélection ou en club? Ça doit être en sélection. De toute ta carrière? Togo, Maroc, match aller. D'accord. Si on n'encaissait pas, on est qualifié pour la CAN 2010. Si on fait match nul, on est qualifié. On ne doit pas encaisser de but. Et on jouait
À la deuxième minute, il y avait eu la péno pour le Maroc. Et ils ont frappé, ils ont tiré dehors. Et je me souviens très bien, il y a Maman Gaffa qui me disait, on est cul, hein, on fait comment? Je dis, il ne va pas marquer. Il m'a dit, t'es sûr? Je dis, il ne va pas marquer. Je suis sûr de moi. Tu vois, nous fait sortir de là, je dis, il ne va pas marquer. Okay. Il a tiré, j'étais parti du bon côté. Comme il a vu que j'étais parti du bon côté, il a un peu ouvert le pied. Et il s'est passé là. Et ce jour-là, j'avais pété mes deux adducteurs. Et je devrais sortir, mais le coach, il a dit non. Et il y avait un gardien, je ne sais pas comment il s'appelle, à Chumaoubé, je ne sais pas, on lui a dit d'aller s'échauffer. Il a dit au coach, coach est gay. Je me souviens, on m'avait dit ça à la fin du match, et c'était le Belge Jean Tissel. Et ce match-là, c'était un match, je ne voulais même pas parler des dessous du match, parce que le coach, il m'a dit un truc avant le match, ça m'a trop boosté. Alors moi, j'aime bien les défis. C'est-à-dire que le coach, je ne sais pas s'il était sous pression ou il est menacé, je ne sais pas. Je pense qu'il y avait eu un problème d'hiérarchie et tout ça. Donc, du coup... Il a déversé son stress. Ouais, il m'a appelé dans sa chambre et il m'a dit, tu sais quoi, tu dois faire un bon match aujourd'hui. J'ai dit, bah ouais, je vais faire un bon match. Il m'a dit, si tu ne fais pas un bon match, je suis viré. Ouais. Okay. Lui, il est viré. Ouais. C'est ce qu'il m'a dit. Je ne sais pas qui va le virer, mais c'est ce qu'il m'a dit. Ah, mais le et ce jour-là, on a fait 0-0 et ils sont venus ici. Je pense qu'ils ont gagné 1-0. J'étais sorti sur blessure. Et voilà, c'était. C'est le plus beau match. Ouais. Parce que je ne faisais même plus les dégagements. C'était Daré qui faisait les dégagements. Moi, j'allais chercher juste les ballons, mais à chaque mouvement, j'avais mal. Les adducteurs, ça fait trop mal. Et ils m'ont attaché comme ça, le docteur en mémoire, il m'a attaché. Je marchais comme un canard. Mais j'ai fini le match. Tout heureux. Dans serré. Ça s'est bien passé. Je dis merci au champion Sadat qui a bien voulu se prêter à notre petit jeu. Et d'ailleurs, il soufflera une bougie de plus dans 2 jours, lundi. Donc, j'en profite pour lui souhaiter un très joyeux anniversaire à l'avance. Beaucoup de bonheur à toi, Sadat. Est-ce que tu as quelque chose à dire à Sadat avant qu'on ne passe à autre chose? Qu'il n'abandonne pas, qu'il croit à ses rêves, même si les gens disent « ouais, ça y est, il a fait son temps », non. Un jeune ne joue pas au foot. Et ça, c'est l'adage des joueurs parce qu'il faut qu'il mûrit encore plus. Il ne faut pas qu'il baisse les bras. Parce qu'on a tendance à dire, parce que le mec, il a commencé tôt, on va dire, oh, lui, il est vieux. Non, faut pas qu'il abandonne. Jamais abandonner. D'accord. Nous avons un autre message pour toi. Encore? Et oui. Bah oui. Et cette fois, c'est un fan qui a bien envie de t'exprimer. Je le connais. À quel point... Non, tu ne le connais pas. Enfin, on ne sait pas. Il a envie d'exprimer à quel point tu l'as inspiré, en tout cas à un moment de sa vie. Et c'est tout de suite dans cette vidéo. Alors, bonjour Débichot. Quand j'ai vu votre invité de ce week-end, j'ai voulu saisir l'occasion pour lui passer un salam. Oui, parce que... Pourquoi? Bon, Monsieur Obilalé, c'est, je vais dire, c'était une idole pour moi quand j'étais tout petit. Et même s'il ne venait que de commencer avec la sélection togolaise, moi, c'est tout banalement son nom qui m'avait marqué, Obilalé, parce que petit, j'étais plutôt gardien de but. Donc, Obilalé, je me disais, tu es smart et tu l'attrapes, quoi. Donc, j'avais un peu compris son prénom comme ça. Bon, je ne sais pas si il pourra confirmer la signification du nom, mais ça m'a beaucoup marqué et bien sûr ses performances. Et je m'attendais à voir. Pour moi, il était parti pour être titulaire lors de la CAN 2010, mais malheureusement, on connaît la suite de l'histoire. Ça s'est pas passé, mais en tout cas, c'était une idole pour moi. Et comme je l'ai vu sur votre affiche, j'ai dit je vais saisir l'occasion pour vous envoyer ce message. Si vous le diffusez, voilà, je passe un gros salam à monsieur Kojovi Obilalé et
Merci beaucoup de m'avoir inspiré, même si aujourd'hui c'est tout un autre chemin que je prends. Peut-être que s'il avait continué dans son aventure de gardien de but, je serais aussi un petit gardien, je ne sais pas. Mais voilà, merci beaucoup et bonne émission à vous. Ciao. Merci donc à toi d'avoir inspiré l'ancien mauvais gardien. Hubert, non mais tu n'étais pas un mauvais gardien. Tu as suivi le message? Ouais, j'ai suivi. Ouais, c'est bien. C'est bien d'avoir des fans, ça fait plaisir. Et ça te fait quoi de savoir que tu as inspiré comme ça quelqu'un qui voulait mais vraiment être gardien de but? Ouais, ça fait grandir. Ça fait grandir, ça fait plaisir d'avoir des gens qui sont là, qui veulent faire comme toi, ça fait plaisir. Ce qui veut dire que tu es un exemple aussi. Ouais. C'est bien. Comme quoi, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je sers à quelque chose, je voulais dire ça à mes proches, que j'inspire les gens aussi. Donc c'est bien, ça fait plaisir. Alors, moi j'ai encore quelques questions pour toi, une ou deux questions, puis on va passer à une rubrique beaucoup plus corsée. Ok, d'accord. Une toute petite question, moi j'ai bien envie de savoir, pas ton plus beau match, mais ton plus beau souvenir de ta carrière de footballeur. Plus beau souvenir, c'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde, là c'est le top. C'est-à-dire oui, que depuis tout petit, on disait on va faire un match de quartier, on joue à la Coupe d'Afrique, après on fait la Coupe du Monde. Oui. Là, on se fabrique des bouteilles vides, là, on met des fleurs dedans, on dit on a gagné la Coupe du Monde. Le jour où moi j'ai été sélectionné pour la Coupe du Monde, le jour où on faisait l'entrée, là, je pense que c'est contre la Corée, si je ne me trompe pas. J'ai comme l'impression, comme si j'étais à l'Euro Disney. Hein. Non, c'est le plus beau jour. C'est le plus beau jour de ma carrière, je veux dire. Okay. C'était top. Parce que voir des stades comme ça, j'étais le seul joueur local aussi sélectionné. Donc, pour moi, c'était top. C'est le plus beau souvenir de toute ma carrière. D'accord. Alors, est-ce que tu as une personne qui aime tout planifier ou tu y vas souvent à l'improvisation? C'est-à-dire? Est-ce que tu as une personne qui veut toujours tout planifier, peu importe le domaine, que ce soit boulot, que ce soit travaux domestiques, par exemple? Est-ce que tu veux tout planifier ou tu veux ou tu y vas à l'improvisation? Moi, toujours à l'improvise. Dans tout ce que je fais, parce que on me dit t'as la réponse à tout. Non, c'est parce que mon cerveau ça court vite. Tu y vas sur un coup de tête en fait. Non. Quand je sais que je vais me cogner, je n'y vais pas. Ok, d'accord. J'anticipe aussi. Hein. Mais après, si ça arrive comme ça, je sais quoi faire. Je sais quoi faire. Si ça ne passe pas, ça ne passe pas. C'est mort, et puis tu fais avec. Moi, j'ai toujours planifié ma vie comme ça. C'est-à-dire, non, fais pas. Non, fais pas. Moi, je vais y aller. Ou on va me dire, bah, Vanessa, ce n'est pas quelqu'un de bien, il ne faut pas la fréquenter. Je vais aller voir. Peut-être c'est pas bien, elle n'est pas bien pour toi. Peut-être moi, ça va passer. Ouais, ça fait ta propre expérience. Voilà, c'est ça. Aussi. C'est comme et l'école aussi. C'est beaucoup plus intelligent, moi, je trouve. Hein. Oui, voilà. Puisqu'il faut toujours avoir deux versions avant de comparer. Oui. Ouais. Si on te dit qu'elle on ne compare pas une seule chose, quoi. Voilà. C'est comme un prof m'a dit un jour, « Ouais, ça y est, tu joues au foot, l'école crie, ouais, notre gardien est bon. » Parce que moi, quand j'étais au collège, même la prof de couture m'envoie au tableau. Hein? Prof de couture. C'est pour aller dessiner un surplage. C'est-à-dire que tout, n'importe quel... Moi, on arrive, on dit au Bill d'aller au tableau. Tout le temps. Waouh. Je sais pas. C'est je dis mais. Peut-être. Oui, parce que si tu veux, quand tu vous faites les maths d'interclasse et tout ça, tout le monde dit, ah ouais, il est bon et tout ça. Ça énerve des fois les profs, oui, tu les vois. Profs. On dit, vas-y. Des fois, il dit, voilà, racine carrée de ceci, cela, t'es là, t'es bloqué, t'es carré parce que t'as pas fait ton devoir. Je suis sûr qu'il y en a même qui vont dire, non, mais bon, il est fifia. C'est ce que les profs, c'est ça. Après, ils m'ont appelé, tu vois les petits qui sont devant là, qui ont toujours 18 de moyenne. Exactement, il dit, bah, non, mais si tu me vois, je fais un coucou. Non, mais si au tableau, il prend X est égal à ta, 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 ta. Ah ouais, à deux inconnus. Paf, il pose la crève. Il dit, le prof, il dit, regarde, toi, un vieux comme ça, t'arrives même pas, t'es bloqué.
Ça, oui, ton enfant, là, tu peux le mettre au monde. Va à l'hôpital, on coupe les pieds le vendredi. Tu es trop long, tu es trop long. Je te jure, monsieur Koué perd son âme. Non, mais tu vois, c'est comme ça. Et puis, voilà, tu fais avec. Hein. Moi, ça m'a forgé. Ça me faisait rire en plus. Ça m'a jamais déstabilisé. C'est fou comme il y a des choses, mais vraiment, qui te font rire. Toi, je me dis, à une autre personne. Ah, moi, ça me fait rire. Il y a des gens que ça aurait mais vraiment déstabilisé. Il y a des gens frustrés qui... même. Frustrés, oui. Il y a des gens qui auraient même du mal à aller en cours après ce genre de scène, en fait. Ça dépend de la personne. Je ne sais pas si je peux le dire, mais j'ai une anecdote. Et vous êtes bien assise. Oui, moi, j'ai friandé des années. Okay. Vas-y. J'étais enfant de cœur. Voilà. OK. Et quand on fait la quête, tu sais, on trie les sous. Oui. On trie. Il y a des sous qui sont limés, tout ça. Après, on envoie. À quoi je m'attends. Où on envoie ça à la banque, tu vois, pour échanger tout ça, des sous bien limés, tout ça. Moi, je prenais ça et je mettais de la craie dessus pour aller payer Botocoin et autres, là, tout ça, les beignets. Mais après, quand je vais faire la confession, moi, je dis ça au prêtre. Si je lui dis, voilà, bénissez-moi mon père parce que j'ai pris les sous triés, tout ça, parce que j'en avais besoin pour acheter mon gâteau ou Botocoin. Un jour, je faisais la colite avec mon frère parce qu'on était enfant de camp, on faisait un mètre de 6 heures, après on allait à l'école. Le prêtre, il a fini de faire l'homélie. Non, il a commencé son homélie. Il a dit, vous savez, à l'église, on n'a pas que des gens bien. Il y a même des enfants de cœur qui volent. Et à un moment donné, je me suis dit, il va se tourner, il va dire, voilà, un là-bas. Vous voyez? Et depuis ce jour, moi, j'ai arrêté. Hein. J'ai arrêté. Le secret du confessionnal, alors. Tu vois? C'est, après, j'ai appris que le confessionnal, c'est quelque chose qui a été créé en 1945 pour balancer des gens. Ouais, c'est pour balancer des gens. Après, moi, ça ne m'a pas arrêté. Hein. Je dis à André, écoute-moi, c'est fini. Je ne serai plus enfant de cœur. Le prêtre, il est pas sérieux. Juste, j'ai pris 25 francs et il me vilipende comme ça dans l'église. Heureusement qu'il ne t'a pas pointé du doigt. C'était ma peur. J'ai failli me faire dessus. Hein. Yeah, c'était chaud. C'était chaud, voilà. Donc, c'est pas évident. Ah, la petite anecdote. On a bien aimé en tout cas et j'espère que vous avez également aimé chez vous. On va passer donc à une rubrique, je le disais à l'instant, un peu plus corsée de l'émission. Tu vois que Fadi devient un peu plus sérieuse, non? Ouais, je vois ça. D'accord. Son visage a changé. Donc. D'accord. Elle est en train d'endurcir son visage et tout et tout. Pour me poser des questions bizarres. C'est parce bizarres. Que... Mais toi. Exactement. Vanessa, arrête d'effrayer les invités. Hein? Non, moi, ça va. Hein, c'est tranquille. Parce que moi, je vais me mettre en retrait tout à l'heure, dans environ 2-3 secondes, et tu seras face à Euphrasie. Ok. Je vais la menacer bien. Mon avocat est là, s'il vous plaît. Face à Euphrasie dans quelques secondes. Ok. Canava. Oui, c'est moi. C'est bien toi? Oui. Ça veut dire quoi? Dieu donné. Dieu donné. Ouais. En quelle langue? À Akoso. En Akoso. Donc, Obilale à Akoso. Si vous ne savez pas, maintenant vous savez. Est-ce que Dodo a déjà été en prison? En prison, non. Garde à vue, oui. Pour quelle bêtise? Parce que à l'époque, j'étais basketteur. Footeur, basketteur, bon, je jouais avec une équipe, et modèle de Lomé. Et bon, j'ai traîné avec des enfants des barons, tout ça, des gens bien placés, haut placés. Et un jour, on voulait sortir pour aller en soirée mousse, à l'époque du privilège. Mm-hmm. Parce que nous, on sortait, on allait louer des voitures à l'hôtel de la ferme, on faisait notre Java, quoi. J'étais dans la jet set. Ah, n'est-ce pas? Bon. Les souvenirs, c'est moi qui gardais parce que moi, bon, à la maison, je peux sortir n'importe quelle heure. J'escaladais le mur. Maman, si tu m'écoutes, salut. Donc, je faisais ça et puis un jour, ils ont dit, bon, il n'y a plus d'argent, tout ça. La maman donne plus d'argent. Je dis, mais vous vous débrouillez. Ce soir, on doit sortir. Donc, ils ont ramené des pagnes, des WC, des trucs. Et on a été vendre
des machins à Civito là-bas. Et un jour, j'étais au stade. Et puis, un monsieur qui vient, il dit, comment vous appelez? J'ai dit, Dodo, il dit, votre nom de famille. J'ai dit, Obidale. Et puis, il a pris mon pantalon comme ça, il m'a soulevé, il m'a dit, on y va. Et ils m'ont présenté. On est en train de faire un match. Hein. En plein match? En plein match. Il y avait toute la population qui était là de mon quartier. Je disais, ah ouais, on savait tout le temps, les baskets, les chemises, tout ça. C'est un voleur, tout ça. Moi, je ne savais pas ce que j'ai fait. Parce que pour moi, je dis rien, j'ai pas été volé. Moi, on m'a ramené des choses. J'ai été bicrave, ça, tranquille, il n'y a pas de souci. Et après, j'ai vu mon copain dans la voiture, j'ai dit, Joe, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, on nous a attrapés. Hein. Il me dit, ah papa, il dit, ah bon, c'est pas grave, on va aller en prison. Ah, tout relax, hein, dans le plus grand des calmes. Oui, moi, c'est pour ça que je dis, mon cerveau court un petit peu vite, parce que je ne les vois pas enfermer leur fils en prison. Je savais que c'était là. Ouais, donc du coup, on était en garde à vue, on a dit on va nous déférer, mandat de dépôt, je ne sais pas quoi. Mm-hmm. Et on est arrivé, et puis le commissaire, il a dit c'est pour ça mon copain là, c'est mon meilleur ami. Mm-hmm. Et peut-être vous le connaissez. Et puis on est arrivé, le commissaire, il a dit enfermez-le différemment. Et du coup, ils nous ont enfermés, on est resté là-bas une semaine. Hein. Ah ouais, quand même. Hein. Je pense que c'était une histoire de quelques heures. Non. Vous avez été déféré alors. Non. Juste au commissariat. Ouais, on était parmi des vrais voleurs parce que nous, on est des amateurs, on voulait juste s'amuser. Moi, j'aime pas voler. Vol, viol, c'est pas mon truc. Hein. Tout ce qui est V là, c'est pas mon truc. Ok. Donc, du coup, on était resté là-bas une semaine. Ma maman me ramenait la bouffe et tout ça. Moi, j'arrivais même pas à manger. Je donnais ça aux potes. Et puis voilà, c'était un moment dur, mais bon, après, on est sortis. Mm-hmm. La leçon est passée. Oui, on a arrêté la bêtise. Mm-hmm. Ok. S'il t'était donné de changer quelque chose dans ton enfance, qu'aurais-tu changé? Rien. Rien? Rien. Il n'y a rien qui t'a manqué cette absence a impacté ta vie? Peut-être l'absence du papa. C'est tout. Après, bon, avec l'âge, je le comprends aussi. J'aime pas juger les parents. Il a fait ce qu'il a à faire. Et on puis connaît voilà. Pas la réalité à voilà, je respecte. Même s'il n'a pas de réalité vis-à-vis de lui, je connais son histoire. Je ne sais pas si lui connaît mon histoire. Et paix à son âme. Et puis je respecte parce que voilà, c'est mon papa. Je ne veux pas le critiquer. Il a fait ce qu'il a à faire. D'accord. Tu l'aimes chaud ou froid? Les deux. Ah oui? Ouais. On parle de quoi? De tout. Ok, d'accord. Dans n'importe quel domaine. Ouais. Chaud ou froid? Non. Même les trois, tu peux rajouter. Moi, je m'adapte. Épicé ou non? Épicé, oui. Bien hot? Ouais. Pas trop, mais quand même. D'accord. Ok. Qu'est devenu ton couple après, avec ton infirmité aujourd'hui? Mon couple? Oui. Oh non, ça s'est arrêté parce que j'étais vraiment, je dirais, insolent, pas très, très agréable. Après, j'ai compris qu'il y avait un problème. Après, je ne faisais pas exprès, hein. J'étais pas content. Tout le temps, je râlais parce que je suis là, cloué dans un fauteuil roulant ou dans un lit. Les gens, ils prenaient soin de toi. J'aime pas, en fait. J'aime pas. C'est-à-dire que ma dignité était par terre, tu vois. Et j'aimais pas trop. Et du coup, je déversais tout ce mauvais côté-là sur les gens qui voulaient prendre soin de moi. Et ça a joué, ça a cassé ma vie de couple. Et le peuple veut savoir si tu tires toujours bien en bas. Le peuple? Oui. Qui? Je veux savoir. Avant de répondre. Oui, est-ce que tu tires toujours bien? Ouais, ça va. Ouais, moi, je... Aujourd'hui, tu assures toujours comme il faut. Je me plains pas. Ok. Elles se plaignent pas ou elles ne se plaignent pas? Moi, je me plains pas. Je n'aime pas juger. C'est-à-dire que quand tu vas au marché, il n'y a que toi qui peux savoir ce que tu trouves là-bas. Maintenant, j'attends les témoignages de mon passé et puis voilà, du présent, je ne sais pas. Ok, d'accord. Et sinon, je suis enfant. Uh-huh.
les téléspectateurs, je rassure que c'est une téléspectatrice, enfin une webspectatrice, qui m'a envoyé cette question pour toi. Ah bon? Donc, elle a sa réponse et je me désengage de cette question. Ne pensez pas que c'est des sous-entendus. Ouais. Quelqu'un voulait savoir si tu es peut-être. Des intentions envers toi. Je sais pas. Un projet de travail, business. Elle doit clarifier alors. Maintenant, est-ce que tu t'es déjà fait draguer sur les réseaux sociaux ou bien est-ce que tu as déjà été dragué? Je sais même plus si c'est dragué ou c'est des fanatiques parce qu'il faut faire attention. Si quelqu'un va te dire je t'apprécie bien, après tu montes sur tes grands chevaux, tu dis voilà, celle-là me kiffe. Moi, je suis pas dans ces genres d'ambiance. Non, c'est pas mon truc. Mais ça m'est arrivé de me faire draguer, mais bon, après, tout ce qui est virtuel, moi, je fais attention. Ok. Est-ce que toi-même, tu as une fois dragué sur... Oui, moi, j'ai commencé avec Skyrock. Moi, je suis pas dans... Ouais, Skyrock, il y a longtemps. Carrément. Oui. Maintenant, quand tu parles, parce que le monde, c'est... Le monde a changé maintenant. Quand tu dis à une fille, t'es très belle, ça y est, tu dragues. Elle va. Ouais, je te trouve ceci, franchement. On trouve que tu l'intéresses. Ouais, donc du coup, moi ça va. Fais attention. Est-ce que tu as eu des enfants encore? Ah, tu as eu des enfants après Kabinda? Oui, j'ai eu un garçon, ouais. L'équipe est à combien maintenant? Trois. Moi, je suis à trois enfants. Ma fille va passer son bac à l'année, là. Ah oui, quand même. Moi, j'ai commencé jeune. Hein. J'ai commencé tout jeune. Ah oui, passer bon sans... Non, mais en fait, je dirais même pas quand moi j'étais pas jeune. Hein, je dirais, bon, bêtise d'enfance, hein, c'est tout. Après, j'ai eu la chance aussi de vite partir. Ça m'a aidé aussi, sinon, je sais pas dans quel état je vais être. Ok, et tu vas encore en avoir? J'en sais rien. Mais je fais pas des choses pour en avoir parce que les enfants, ça coûte cher quand même. Ça, c'est parce que j'attends. Moi, ce qui m'énerve, en fait, je ne sais pas, c'est... Vous m'excusez, hein, moi, avec tout le respect que j'ai pour la femme, mais la plupart des femmes, c'est toujours des chansons à répétition. Ouais, je prends de l'âge, il faut que je fasse un enfant. Un enfant, ça coûte cher. Et il faut l'élever à deux. Hein. Ouais. Sinon, sans racine, ça tombe. Hein. Ça, c'est vrai. C'est sûr. Donc, je fais attention. Maintenant, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais pour le moment, je suis bien calé. Je suis bien comme ça, pour le moment. Ok. Tout à l'heure, tu as dit que tu ne te plains pas. Tu es plutôt chaud lapin ou doux romantique? Je sais pas. Franchement, tu sais, moi, j'aime bien taquiner. Tu peux... Parce que la plupart des gens, ils sont pas ouverts d'esprit. Ouais. Tu taquines quelqu'un, il va dire, ah, lui, il est chaud. Parce que moi, je fais que des blagues de cul. Ah, ça, je vais pas. Oui, je fais que ça, je vais pas. Je vais pas me casquer parce que c'est rien de méchant. Mais bon, après, c'est des blagues soft. Hein. C'est des blagues soft, mais après... Voilà, la plupart, ils vont dire, lui, il est chaud, tout ça. Moi, je suis pas chaud, je suis calme. Je suis chaud qu'avec des gens que je connais. Où on a une liaison, sinon, à être chaud avec tout le monde, c'est bon, c'est pas une coupe du monde. Ça va. D'accord. Et aujourd'hui, quels sont tes rapports avec tes anciens collègues du Ballon Rouge? Quel rapport? Je n'ai pas envie de citer de nom. Mais non, moi, je ne veux pas citer de nom non plus. Mais bon, tu sais, quand tu tombes d'un wagon et puis tu es en béquille, c'est difficile de rattraper le wagon. Ça veut tout dire. Après, voilà. Tu lèves la main, tu dis coucou, c'est tout. Après, moi, je ne veux pas incriminer qui que ce soit. Chacun a sa vie. Mais je pense que des fois, quand il vous arrive des trucs comme ça, soit ça vous unit ou soit ça vous désunit. C'est ça. Ça crée des liens. Mais ce qu'on a vécu, normalement, ça doit créer des liens. Mais après, voilà, moi, c'est mon éducation. Je suis fier de ce que je suis. Je vois quelqu'un qui me respecte, je le respecte. Quelqu'un qui me respecte pas. La réciproque. Hasta la vista. Ouais. Ok. Là, c'est moi. Et qu'est-ce qui te donne du punch quand tu es au plus mal? Les enfants. Les enfants, et puis, puisque c'est la lourde responsabilité. Moi, j'ai été élevé par une femme qui était papa et maman. Et je fais des efforts pour ne pas faire la même chose que ce que j'ai vécu avec mon papa. J'essaie de... C'est vrai que nous, les Africains, moi, je dis nous, les Africains, s'il y a quelqu'un qui peut me contredire, on a du mal à dire à nos enfants, on les aime.
Oui, ça c'est vrai. On a du mal à dire aux enfants, je t'aime, tu sais pas pourquoi je t'ai engueulé, parce que je t'aime, j'ai pas envie qu'il t'arrive ça, ça. Mais on a du mal. Et puis on parle aux gens, hé, viens ici, toi, hé, je vais te dire, tout le temps c'est comme ça, hé, je vais te taper un. Non, non. C'est vrai, moi je suis dur avec mes enfants, mais... On est copains, mais quand c'est du sérieux, quoi. C'est tout. Sinon, il faut donner de l'amour aux enfants, sinon un jour ils vont finir par couper les têtes, à couper les bras, à faire des bêtises. Parce que le traumatisme, les gens, ils ne connaissent pas ça. Exactement. Tu peux faire des bêtises. C'est ça qui fait que les gens, ils font des bêtises. Ils ne connaissent pas l'amour. Ils n'ont pas d'état d'âme. Mm-hmm. Tu peux faire du mal à quelqu'un comme ça. Et ne pas savoir. Ouais, tu dis, ouais, c'est comme ça, il a bien mérité, non? Parce que tu n'as pas eu d'amour dans ta vie. Mm-hmm. C'est tout. Moi, c'est ma conviction, hein, je ne juge pas. C'est comme ça, moi, je vois les choses. D'accord. Et on te sait très taquin. Raconte-nous une blague pourrie. Wow. une blague pourrie. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas marché? Un jour, j'étais avec un copain, on avait des copines, moi, j'étais fraîchement arrivé de France, j'étais fraîchement arrivé à Paris, tout ça. Après, j'ai fait ma petite carrière. J'avais un copain qui s'appelait Boris, on devrait sortir. Il y avait des meufs et tout ça, on était cinq gars, il y avait peut-être six filles. Et il est sorti, il a mis une chemise. Et moi, bon, pour les taquiner, j'ai dit, pourquoi tu as mis un rideau? Parce que sa chemise était fleurie. Et comme il est susceptible, il a pris ça mal et il a même pleuré. Oh là là. J'étais mal pour lui parce que... Le gars voulait impressionner ses copines. En fait, c'est que les mecs qui me disaient ce que tu as fait, c'est pas bien. Ils étaient morts de rire aussi. Les filles aussi. Et il m'a dit, moi, je sors plus. C'est bon, allez-y. C'est bon. Bah, je dis, mais Boris, ça n'a rien. C'est pas grave, moi, je... Non. Je dis, mais OK, enlève le rideau alors. Donc, du coup... Ah, mais il a changé la chemise. Ouais, hein. Parce que. Parce qu'il faudrait pas se retrouver à un endroit où c'est le même tissu que le rideau. Le bap, ils font pas d'efforts. Ils font pas d'efforts. C'est un rivé. Donc, voilà, c'était une blague un peu qui est mal passée. Pourri, oui. Ouais, très pourri. Très, très pourri, je suis d'accord. Alors, pour finir cette rubrique, nous avons croisé quelqu'un qui a un message pour toi. Encore? Oui, oui. Je ne sais pas si c'est le dernier, Vanessa nous dira. Si, c'est le dernier. Ah, c'est le tout dernier. OK, donc on y va avec le message à la surprise, on va dire. La surprise du jour. OK. C'est la famille, sûr. Oui, allô, Adjarikina. J'espère que tu te portes bien. Moi aussi, ça va. Volume. Et man, j'aimerais te dire quelque chose que je t'ai jamais balancé. Tu te souviens de la sortie de tel et de ton livre. Tu m'as dédié le livre, tu m'as fait une dédicace. Mais les mots que tu avais utilisés là, ça m'a vraiment... Et c'était émouvant. Tu me disais, malgré tout, tu es mon frère, quel que soit ce qui s'est passé, ce qui se passera, tu es mon frère. Ça m'a vraiment donné la chair de poule. Et chaque jour que Dieu fait, quand je relis ces phrases-là, je me dis, on est vraiment soudés, on doit s'unir avec tout ce qui va arriver. J'allais franchement, rien que blénon, bon, mais bon, dis-moi blénon, bébé. À moi, si tu es plus qu'un frère, parce que on a partagé beaucoup de moments ensemble, que ce soit difficile, comme, bien, ni partager ensemble, quoi. Mais c'est bon, c'est vraiment bon. Je suis vraiment heureux que vous balayez à lui. Les miens, mais c'est ça, c'est ce qu'on peut dire. Mais qu'on balayez les miens, mais vous balayez. Il a non donc pour voir les biens. Il y a d'appelant ou quoi. Tu es vraiment un frère, mais on m'a les mains là, on les néglige. Tu me néglige un peu. Ouais. Non, il faut penser à moi. Ouais. Maintenant, depuis là, on m'a les mains là. Ouais. C'est comme ça.
Ok, Tchalé. Tu passes bonne journée. Covid, Tchalé. Donc, ah non, bleu, bleu, il est. Ok, big up. Non, en fait, lui, en fait, il n'aime pas manger chaud. Donc, moi, j'ai des grosses paluches et tout ça. Et des fois, bon, c'est des trucs d'enfance, même des fois, je faisais des crachats dedans. Je dis, mais tu as pu manger. Non, 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 bon, ça, c'est des bêtises. Hein. Ouais, des bêtises, on a ouais, et puis, je prenais la viande, je léchais la viande, je mettais dans la sauce. Comme je sais que c'est quelqu'un de très maniaque et tout ça, il aime bien. Je l'appelle ma petite sirène. Donc, du coup, je faisais ça pour l'embêter. Et puis voilà. C'est vrai qu'André, il est vraiment pudique. Et c'est quelqu'un, c'est rare qu'il va me dire que, ouais, tu sais, je t'aime beaucoup, tout ça. Mais il te le montre autrement, en fait. Et il est fier. Donc, voilà. Et un jour, il a fait quelque chose. C'est la première fois que je vois mon frère pleurer parce que je ne l'ai jamais vu pleurer. Hein. Que ce soit la bagarre, il a mal ou il s'est fait mal, il pleure jamais. Un jour, à l'hôpital en Afrique du Sud, on devait m'opérer pour une occlusion. Et il m'a poussé, on était sur la civière. Et il me poussait et je dis, bah, là, je suis fatigué et tout ça et que... Je ne sais même pas si je vais encore ressortir. Parce que là, il m'a dit, tiens, bon, tout ça. J'ai dit, mais tu fais quoi? Tu pleures? Pourquoi tu pleures? De toutes les façons, je suis mort, là, c'est bon. Il me dit, dis pas ça. Et moi, je lui ai fait un sourire. J'ai dit, mais quoi? C'est bizarre de te voir pleurer. Et puis voilà, après, moi, j'étais parti. Après, j'étais réveillé. On est venu, je parlais de samedi. Tu dis ça à personne. Aujourd'hui, je le dis. Ah, et il le dit devant le peuple. Oh là là! Ouais, ouais. Devant le peuple en plus. Sinon, ah, ça c'est mon frère aîné. On se voit pas souvent. Hein. Mais l'amour, le lien est oui, toujours conservé. Ouais, ouais, ouais. Il est dispo et puis il est gentil. Ouais. Très gentil. Je l'embrouille beaucoup, mais il est gentil. Je fais des choses qu'il n'apprécie pas, mais il sait comment je suis, donc il sait que je ne suis pas méchant. Et puis, voilà. Bon, après, moi je dirais qu'un petit frère, il est fait pour ça, quoi. Ouais. Pour faire des choses que tu n'aimes pas. Ouais. Pour t'emmerder, j'en sais quelque chose. Ouais, coucou au petit frère de Vanessa. Ouais. Je n'ai pas dit ça, mais bon. Nous disons merci beaucoup au grand frère André qui a également accepté de se prêter à notre petit jeu. Et on voit que ça a fait son effet. Oui. Alors, Euphrasie, on va jouer un peu? Oui, 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 il était temps, il faut détendre un peu l'atmosphère. Tu sais qu'on joue hein, sur ce plateau. Il est où le ballon? Enfin, on va pas jouer au football, on va pas jouer au basket, ce sera pas du tennis, rien de tout ça, ce sera pas du sport, oh, mais on va jouer. Ok. On va jouer et c'est tout de suite dans le Signal. Elle s'appelle Signal, la rubrique? Non. D'accord. Est-ce que tu te souviens de l'école primaire? Quand tu faisais l'erreur de parler vernaculaire? Ouais, on te mettait quelque chose au cou. Je suis sûr que toi, tu connais ça souvent. Hein. Non, moi, je suis François Louga il y a longtemps. J'étais François Louga il y a longtemps. Il y a longtemps, hein? Ah. D'accord. Donc, tu ne prenais pas beaucoup le signal? Non, je cassais la barrière toujours, mais je ne prenais pas ça. D'accord. Ok. J'espère que tu la vas. Tu n'avais pas saisi assez vite. Hein? J'espère que tu vas prendre ça sur ce plateau tout à l'heure. On va faire deux petits jeux. Mmh. Et le premier jeu consiste en ce que tu vas me donner les articles de quelques mots que je vais te donner. Enfin, ce sera trois mots. Je vais te donner les mots l'un à la suite de l'autre. Et tu me donneras les articles. Tu me diras si c'est un ou si c'est une.
Et si c'est faux? Et si ta Ah, réponse, elle est fausse, je vais porter tu ça. gardes ça jusqu'à la fin de l'émission. Ok. C'est bon? On Oui. y va? D'accord. Le premier mot, c'est armistice. Armistice. Un ou International une? ou ami? Peu importe. C'est le mot armistice. Un ou une? Répète. Armistice. Un. D'accord. Et c'est un. Ah, d'accord. Éloge. Un. D'accord. Pétale. 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 Oui. Pétale. Est-ce qu'il y a un sens circonflexe sur le A? Quel est le rapport? Avec le rapport, je vais faire ma technique. C'est ce qui Pétale, te tu fera l'entends? dire si Pétale, pétale, c'est un pétale, ou une. c'est une. Pétale de rose. C'est une? Non. Ah. Ça n'a jamais été une. C'est vrai? Ah, Ah ouais, aujourd'hui, le pétale peuple de rose. sait. Ah, d'accord, On je dit vois ce un que. pétale et je suis bien heureuse qu'il prenne quand même parce que non, mais il a trouvé Je vraiment l'enlève excellent. quand? À la fin de l'émission. Ah, ok, d'accord, il n'y a pas de Ou souci. ça m'arrive bien avec la bille, hein, donc tu Ok, pourras le garder. on peut garder, ok, Tu d'accord. l'enlèveras à la fin de l'émission. Il y a un autre jeu. Un jeu de traduction. Un jeu de traduction, mais je crois que Frazier est en train de Non, flipper non, parce que. non, non, je te laisse faire parce que je veux pas prendre de signal, moi. Non, mais tu vas en prendre. Ok, Enfin, pas allons-y. forcément aujourd'hui, mais un Un moment de sur ces ce cadres, oui, plateau. allons-y, allons-y. Et quand on parle de traduction, généralement, Euphrasie me demande comment on dit la mangue en français. Et à chaque fois qu'elle dit ça, je cale toujours. Je mets quelques secondes pour comprendre que c'est Mangue. une blague. Ah, d'accord, je Vraiment. vois. Je mets toujours quelques secondes pour comprendre que Dans c'est une le plus blague. grand des Non, mais. sérieux, hein, parce que j'ai pas vu venir. Ok. Non, mais Traduction. non, le jeu de traduction, on le fera pas aujourd'hui. Ah, C'était d'accord, juste pour heureusement. rigoler un tout petit Ah, peu okay. et pour faire paniquer Euphrasie, surtout parce qu'elle croyait que j'allais sortir des mots qu'elle n'allait pas pouvoir traduire. Mais moi, j'ai encore quelques questions Et pour toi. enfin, On va c'est ça. redevenir beaucoup plus sérieux maintenant. Moi, j'aimerais savoir, pour toi, qui est le meilleur footballeur de toute l'histoire de ce sport? Ça peut être un gardien de but, ça peut être un défenseur, enfin, tant que c'est un footballeur. Du monde. Le meilleur joueur de toute l'histoire de toute l'histoire de ce sport. T'en as pas? Moi j'en ai. Oui, il n'y en a pas qu'un seul. Mais on a dit Non, le mais meilleur. le meilleur Oui. par Le les best one. meilleurs. Oui. Je dirais tout. Ah ouais? Oui. D'accord. Développe. Moi, j'aime bien les gens qui partent de rien et qui percent, quoi. Voilà. Pour moi, c'est un exemple. Je dis ça aussi parce que c'est un Africain, parce que vu son parcours, les gens ils vont me dire, ouais, voilà, parce que tu es son protégé. Mais moi, j'aimais ce monsieur avant de le connaître en vrai. Donc moi, je pense que pour moi, c'est le meilleur joueur Ok. de tous les temps. D'accord. Il n'a pas besoin de ballon d'or. Il est bon. C'est un bon. D'accord. Vu son parcours. Donc on met. En fait, j'ai bien envie de créer quelque chose là Ouais. et de demander à Euphrasie, qui n'est pas du tout football, Ah. pour elle, Tu n'es pas d'accord? qui est le. En Je sais fait, pas qui Euphrasie. c'est. Non, mais elle sait quand Elle veut même, se elle sait foutre de quand même moi. qui c'est. Non, mais Elle veut c'est se pourquoi foutre j'ai de dit, j'ai moi. bien envie de créer quelque chose là pour toi qui es le meilleur footballeur de toute Faut l'histoire. déjà que je connaisse les noms des footballeurs, Là. que je regarde les En matchs. fait, peut-être même qu'il y a une image qui lui vient, mais elle ne sait pas comment la personne s'appelle, j'en suis sûre. Non. Peut-être si tu me disais qui était le plus mignon, je sais pas, mais faut D'accord. déjà que je regarde les matchs. Je Le regarde plus pas les mignon, matchs. selon toi, c'est qui? C'est J'en connais pas. Cristiano. C'est J'ai pas Cristiano. regardé de match. Non, À ce point, t'imagines? Oui, il fallait me dire pour que je fouille un peu dans Après, la bon. galerie et puis je reviens te dire. C'est ça. J'aimerais savoir si tu peux changer
un de tes traits de caractère, lequel ce serait? Je suis trop catégorique. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais changer, mais bon, je suis bien dans ma zone de confort comme ça. Ah, ok. Non, quand je dis non, c'est non. Bah, ça peut être Beyoncé, ça peut être n'importe qui. Un petit peu d'eau dans ton vin, pardon. Non, non. Quand je dis non, c'est non. C'est comme ça que j'aime aussi les gens. Et on me dit c'est pas bien. Tout le monde me dit ça. Parce que quand moi je dis que c'est mort, c'est mort. Hein. Tu peux tout me donner. En fait, pour toi, c'est soit blanc ou noir. Ouais. Il n'y a pas de gris. En fait, j'étais comme ça avant. Et quand j'ai eu ce pépin, ça a encore accentué les choses. Donc, du coup, moi, j'aime pas rigoler. Je rigole, mais quand c'est du sérieux, quand je dis c'est mort, c'est mort. On peut donc dire que tu t'es un peu plus endurci. Oui, beaucoup. Parce que il y a de cela 2 mois, j'ai dit j'arrête quelque chose. Les gens ils m'ont dit non, tu peux pas. Je l'ai arrêté. C'était dur, hein, j'étais tombé malade et tout ça. Non, j'ai arrêté comme ça. Et tu ne reviens plus sur tes décisions? Non. Wow. C'est chaud. Je sais, ça c'est mon problème. Ton gourmet doit faire mal. Non, je... Ah, parce que tu ne peux pas aller demander pardon, tu sais qu'on ne va pas t'écouter. Oui, toute non, façon, par contre, je donne la chance quand même. Faut une pas. Chance en oui, oui, je... parce que je discute, on dialogue, je dis ça ne va pas, je vais partir. D'accord. Quand donc tu en fait, ça... ta décision, tu ne la prends pas tout de suite. Non, ce n'est pas quelque chose que je fais comme ça, ah, non. Okay. Oui, là c'est... Non, je discute, je dis, ah, ça, il faut voir ça, ça, il faut voir ça. Tu me dis, oh, c'est rien, un jour, tu te lèves, plus personne. Et s'il y a des gens, que ça soit la famille, n'importe qui, je te bloque, mais ça va être à vie comme la personne. Waouh, d'accord. Tu n'existes plus, en fait. Ouais, parce que je dis à tout le monde, il faut lui parler. Ça, ce qu'il fait, c'est pas bien. Je vais péter un câble. Non, ça va aller. Attention, je vais péter un câble. Le câble, il est pété. Ouais, non, c'est mort. Parce que il y a des gens, ils jouent trop avec le nerf. Vous êtes comme ça aussi. C'est comme tu dis à ton copain, ouais, ce que tu fais, c'est pas bien. Tu m'énerves. Et le jour, ça pète. Tu dis non, on a déjà parlé de ça. Ou bien Roger. On va encore répéter ça, Roger. Donc, c'est qui Roger, là? Non, mais c'est un exemple. C'est bon, un Roger dans le monde où on ne sait pas, imaginaire. Donc, voilà. Ouais, donc, voilà. C'est mon côté, là, qui dérange beaucoup mes proches. D'accord. Au passage, il paraît que le signal, il te va très bien. Oui. Ah, merci. Non, mais vous êtes grave par ici. Hein. Ouais. Alors, maintenant, je vais te montrer des images. Oui. Et à chaque image, il faudra que tu nous racontes soit l'histoire derrière la photo ou encore que tu nous dises ce que la photo te fait ressentir en la voyant là à l'écran. Vous êtes chaud, hein? C'est bon, on peut y aller? Ouais, on peut y aller. Allez-y. D'accord. Ouais. Première photo. Ah, Zizou. Ouais. Non, c'est une belle photo. C'est un monsieur qui est... Il est sympa, hein. Il est très sympa, Zizou. C'est à la fin du match, France-Togo, et j'étais dans le tunnel, et il passait, j'ai dit bonsoir, monsieur Zizou. Il me dit, non, vous pouvez m'appeler Zizou. Il dit, on fait une photo? Il m'a dit, oui, pas de problème, on n'a pas. Il me dit, t'as pas joué? J'ai dit, non, moi, j'ai pas joué. Il me dit, ah, c'est bien. Il dit, vous? Il dit, non, tu peux me tutoyer, tu sais. On a parlé, il est timide et tout ça. Il m'a parlé et puis voilà, c'était cool. Un beau souvenir. Tu fais photo, c'est pas donné à tout le monde. C'est Zizou quand même. Quand même, oui. Ouais, oui. Seconde photo. Waouh. Ça, c'est Ovik avec Mandy. En fait, c'est mes deux chéris, ça. En fait, Mandy, j'ai connu sa mère, elle avait 3 ans, donc elle n'avait pas son père n'était jamais là. Aujourd'hui, elle a 19 ans, elle va avoir 20 ans dans un mois, et elle m'a toujours considéré comme son père, donc elle m'appelle papa, même jusqu'aujourd'hui. Quand je suis pas là, c'est elle qui trie ma lettre, on se parle, elle me dit tout. Elle me dit des choses qu'elle dit même pas à sa mère. Et là, c'est son frère, c'est Ovik, aujourd'hui 13 ans.
Et lui aussi fait du foot au lieu de faire du tennis. Et donc voilà, Il veut faire comme papa. C'est ma force. Ils sont bien, malgré que je suis plus avec la maman. Voilà, on est bien. Je parle avec leur beau papa, avec la maman. Je suis bien avec eux. Super. C'est ma famille. Photo numéro 3. C'est vrai qu'on en avait parlé brièvement tout à l'heure, mais c'est quoi l'histoire d'Oji et Samuel Eto'o? On aimerait bien savoir. En fait, moi j'étais fan de lui. J'étais fan jusqu'à ce que je crie hein, ou pleurais, mais j'aime bien ce monsieur. Malgré que, bon, il y a beaucoup de critiques, il a fait ci, il a fait ça. Moi j'aime l'homme et j'aime ce qu'il fait. Et tout le monde a des défauts, tu vois. Et je me souviens quand j'ai joué contre le Cameroun au Ghana, il m'a fait venir dans les vestiaires et il m'a demandé t'es de quelle nationalité? Et j'ai dit non, ben, je suis togolais. Il me dit non, t'es pas togolais. Il dit oui, je suis togolais. J'ai bien joué avec le Togo tout le temps. Il me dit j'ai marqué à tous les gardiens togolais, sauf toi. Pourquoi? J'ai dit bah c'est mon jour. Et il m'a dit, tiens, je te donne mon maillot et on va garder contact. Et il m'a donné son maillot, je l'ai encore, mais ça doit être en France. Et après un jour, j'étais dans l'émission d'Afrique et il est venu, il m'a fait une surprise et puis on a parlé. Puis on a gardé contact jusqu'à aujourd'hui. On C'est de s'écrit. grands amis. Oui, c'est un grand frère. Ouais. Ça va, on y va. D'accord, j'ai une toute dernière image. Dis-moi ce que ce chiffre te dit tout de suite, À le quoi ça chiffre te fait 5. penser, le chiffre À 5? moi, ça c'est moi. Ça c'est. Voilà, c'est. J'étais joueur de champ, c'était mon numéro. J'étais un joueur. J'étais un stoppeur ou défenseur, dernier défenseur. Donc c'était ça, c'est ça que ça m'inspire. Rien que ça? 5. Peut-être j'ai un bac plus 5. Peut-être. Comment ça peut-être? Non, c'est C'est-à-dire 3. pas Tu as fait peut-être les cours sans savoir? un événement ou une série d'événements. Le 5. Vous n'êtes pas tombé des chiffres. Le 5, peut-être c'est la date de l'anniversaire de maman. Ça aussi. Peut-être, hein. Tu dis bien Non, peut-être. non, Bon, le écoute. 5, le 5 août, ma D'accord. mère. Ouais. D'accord. Vanessa, On c'est y quoi derrière reviendra. le 5? On y reviendra. Ok. Encore une photo? Non, il n'y a plus de photos du tout. Il n'y a plus de photos. C'est quoi le chiffre 5? J'ai lu dans ton roman Oui. que tu t'étais arrêté à 5 sélections en équipe nationale. Et c'est pourquoi j'ai choisi en fait cette image-là et je me disais que peut-être en voyant ce chiffre, tu allais tout de suite Ouais, tout penser ça, à tu ça. vois, le chiffre 5, ça en dit beaucoup de choses. Hein. Dans ça, il y a plein de choses. Ma carrière, j'y ai commencé parce que moi, j'étais pas gardien. J'étais joueur et tout ça. Et après, à l'anniversaire, il y a peut-être pour la sélection aussi. Il faut que j'arrête de dire peut-être. Pour la sélection aussi, donc voilà. Mais bon, c'était une aventure quand même. Donc 5, on peut dire que c'est ton chiffre porte-bonheur. Non, c'est le 22. D'accord. D'accord. Et raconte-nous donc Pourquoi l'histoire 22? derrière. Parce que c'était mon dorsal, Ok. numéro, et 22, ça m'a toujours porté bonheur. D'accord. Si quelqu'un veut jouer l'auto aujourd'hui, 22 Ouais, c'est sera moi. gagné. En tout cas, c'était une très belle émission avec toi, Doji. Merci Merci. beaucoup, mais J'étais vraiment très d'avoir ravie. accepté notre invitation. Nous espérons que toi aussi tu as aimé Oui, partager j'ai beaucoup ce petit aimé. moment avec nous, avec Ouais. Euphrasie et moi. Euphrasie, j'espère que tu as Oui, aimé oui. l'émission. Bah, bien Non, sûr, sinon, mais bien tu peux ne sûr. pas aimer aussi, hein. Je te l'aurais dit, ou je quitte le C'est plateau ça. comme quelqu'un. Merci Non, mais à. j'espère surtout, mais vraiment, que tous nos web spectateurs et spectatrices ont aimé être avec nous depuis 16h jusqu'à maintenant. Bien Et sûr. je te laisse quand même conclure, Euphrasie. Oui, merci d'abord à Dodo d'avoir accepté notre invitation et de s'être prêté au jeu, de s'être rendu disponible.
et pour qu'on puisse lui poser des questions que d'autres trouveront intrusives ou gênantes, mais bon, c'est le principe de l'émission, de cette rubrique-là, ou bien de ce jeu. Et j'espère que vous avez apprécié le petit moment passé avec nous. On est encore ouvert pour remarques et suggestions, et on se retrouve la semaine prochaine. Exactement, Euphrasie, on se retrouve samedi prochain, mais avant, je vais te repasser la parole et tu nous dis quelques mots avant de partir, tout ce que tu as à dire. Bon. Je voulais dire un mot à travers votre émission. Je vais être le porte-parole de tous les hommes. Donc, je voulais dire à toutes les femmes, pardon, parce que c'est vrai que on fait beaucoup de bavures, et puis il y a eu un problème de, comment on appelle ça, égalité de sexe et tout ça. Donc, je voulais dire merci aussi aux femmes et merci à toutes les femmes qui se battent pour nous, pour les enfants, et puis voilà, je voulais dire pardon et puis merci pour tout ce que vous faites pour les hommes, les enfants, voilà. Oh, nos cœurs de femmes sont touchés. Exactement. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup encore une fois à vous tous qui êtes. Notamment établissement Change Nations, Gaëtan Couture et j'en passe. Merci à vous tous. Portez-vous bien, chers amis qui nous suivez, et on se retrouve samedi prochain. Restez connectés sur nos pages pour découvrir notre invité et surtout notre invité du week-end prochain, bien évidemment, et surtout pour ne rien rater de nos publications. Il peut y avoir des surprises. Si vous n'avez pas aimé, venez me le dire. Surtout ça. À bientôt. À la prochaine.